On va surtout parler d'Antoine, troisième ligne du Stade français. Combien de saisons Plus de 250 matchs avec le stade Antoine C'est énorme. Antoine. Combien de saisons en tout 16 ans. Et a priori, c'était la dernière cette année C'est sûr, c'est la dernière. C'est sûr. Ouais. C'est irrévocable. Bon, il y a deux titres de champion de France, 2007-2015, le challenge européen en 2017. Tu arrêtes à 34 ans, il y en a qui continuent à cet âge-là, il y en a même qui continuent longtemps. Pourquoi t'arrêtes toi Antoine parce que je pense qu'il est temps. Et puis les dernières blessures, les derniers mois ont été un peu compliqués physiquement, que ce soit le dos, le genou ou surtout la tête. Alouette. Alouette. Mmh. Euh, mmh. Donc euh, pour moi, c'est un signe, signe bah, qu'il qu faut arrêter. Quand tu dis la tête, c'est la motivation ou la commotion ouais. bah, Un peu des deux. La le fin de, de saison est un peu compliquée, donc la motivation était un peu perdue. Et puis la commotion m'a fait comprendre qu'il voilà, ne fallait plus prendre de risques. Ouais, J'avais la chance de donné, faire euh... une très belle carrière. Sinon, tu finiras comme le vieux monsieur. Le docteur Sherman t'a fait arrêter. On peut le dire. Ouais, je suis arrêté de toute façon. Bon, il parle neurologue. Ouais. Alors, ah euh, oui, d'accord. Il se trouve que tu arrêtes sur une mauvaise saison. donc euh, C'est peut-être aussi un peu le, le regret. Euh, C'est sûr qu'on ne choisit pas toujours. Hein, mais qu'est-ce qui s'est passé cette saison au stade français euh, Un peu de haut et trop de bas. Je pense qu'on n'est vraiment pas assez régulier. On était capable de faire des très bons matchs et on est capable de passer complètement à côté. On n'est pas régulier en fonction des matchs, on n'est pas régulier sur un même, match, un même match. On peut faire 60 très bonnes minutes et complètement craquer les 20 dernières. Mais comment tu l'expliques, ça, justement bah, Je n'ai pas d'explication, de sinon on serait sans doute mieux placé euh, que la 10e ou 11e ouais. place. Quoi. Donc, euh, non, parce qu'il y a la qualité, quand même, au club. Non, honnêtement, il y a une belle qualité. Il y a beaucoup de travail de la part des dirigeants, du staff. Mais voilà, il manque ce petit quelque chose qui fait qu'on est capable d'être régulier sur 80 minutes et sur, sur une vingtaine, 26 matchs. Quoi. Alors, la onzième place euh, au final, est-ce que ça correspond à votre niveau, euh, Antoine Parce que il euh, y, a, y a quand même une densité incroyable dans ce championnat. Bah et quand ouais. tu décris cette irrégularité, tu dégringoles vite. Est-ce que finalement, vous êtes à votre place bah oui, 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 sur l'ensemble de la saison, on a notre place. Sur un match, on est capable de faire des très, très belles choses. Donc, je pense qu'on peut viser plus que... On peut quasiment viser un top 6 sur un match. Mais sur l'ensemble de la saison, bah, c'est notre place. Parce qu'on parce qu est beaucoup trop et, et voilà, Il y a des matchs qu'on qu perd et qu'on n'est peut-être pas dû perdre. Et voilà, ce qui fait qu'on est, on est, on est là.